Ouais, c'est pour moi. Bonsoir. Boma. Boma d'Angers, comment vas-tu? Ça va bien? Est-ce que ça baigne? Est-ce que ça baigne? Est-ce que ça boum? Voilà, le soir comme ça, il faut ouvrir un peu les courriers. La force de Bangola. Comment ça? La force de Bangola, comment encore? Bangola, c'est qui encore? Qui est Bangola? Bangola, c'est qui? Que la force de Bangola qui a fait quoi avec Bangola? Bangola, c'est qui? Donc je bois un petit thé brûleur de graisse avant d'aller au dodo quoi. Ah, elle a lavé qui encore? Le lavage à force. Elle a lavé qui? A lavé qui? Faut me dire, hein, je suis pas trop au courant. Bon, j'ai pas trop de temps pour. J'ai pas trop de temps en journée pour les lives. Faut ouais, que je fais ma part de live. Tard. Ah ouais, c'est tard. Donc, l'actualité de ce jour, c'est Apicoro. Elle m'a lavé. Envoie-moi la partie où elle m'a lavé là. Envoie-moi la partie où elle m'a lavé. Elle m'a lavé. Oshiga m'a lavé. Ouais. Oshiga m'a lavé. À quelle heure? Elle m'a lavé à quelle heure? Elle a dit quoi sur moi? J'ai pas suivi, hein, j'ai pas le temps. C'est les chômeurs. Moi, je suis un travailleur en retard. Donc, tu peux me dire un peu qu'est-ce qu'elle a raconté comme connerie sur moi. Non, elle. C'est elle qui était venue d'Albabipawa. Je n'invite pas les gens. Hein. Non, c'est elle qui était venue dans le Babipawa. Moi, je n'invite pas les gens. Moi, je fais mes petites sorties, je fais mes petits lives. Voilà, ceux à qui ça intéresse, ils vont me contacter à Nibi. Non, c'est mytho. C'est mytho, je t'explique. Moment d'Angers. Oh putain. Écoute, je suis pas dans les clashs, je suis un responsable. D'accord? Je suis un président d'association. Les gens me regardent. Les gens me regardent, les gens surveillent ce que je dis. D'accord? Donc, les gens surveillent ce que je dis. Elle est venue pour une prestation chez moi. Elle est venue pour une prestation chez moi. Je ne veux pas le nier. Mais pour rentrer chez moi, on paye cher. Ok? On paye cher pour rentrer, pour venir. Pour rentrer chez moi, on paye cher. Donc, ouais, elle détourne. Mon live même vient de tourner. Donc, elle est venue pour une prestation. Et je lui ai fait un prix.
Je lui dis, bon voilà, c'est une soeur et tout. Déjà, on négocie pas chez moi. Non. Ou tu payes, ou tu laisses tomber. Voilà. Donc, elle est venue chez moi. Elle me dit, ouais, elle a envie d'adhérer au Baby Power. J'ai dit, bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, tu peux adhérer. Elle rentre dans le groupe, on commence à travailler. Mais elle met tout le monde mal à l'aise. Comme vous voyez là, elle met tout le monde. J'ai des photos. Hein. J'ai les photos où elle est venue dans le Bami Power, des réunions qu'on a fait à Noisy-le-Grand. Elle était là. Donc elle est venue dans mon institut pour une prestation. Et moi, je lui ai fait le prix. J'ai dit, bon, écoute, je t'arrange un tout petit peu parce que, bon, voilà, t'es une sœur. Il a commenté ma personne, tu vas voir de qui je parle. On me dit qu'on m'a insulté encore. On me dit que Oshigama. On me dit que Oshigama m'a insulté. Il m'a lavé. Est-ce que je vais jouer à jeu là? Est-ce que je vais rentrer en clash avec elle? Si je n'étais pas, si je n'étais pas quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui est suffisamment implanté en bain, dès qu'elle me raconte, dès qu'elle m'insulte, elle ne peut que parler de ce qu'elle dit. Parce que moi, je suis vrai. Moi, je ne me vante pas une vie, quoi. Je suis vrai. C'est pour ça qu'elle ne peut que parler de la prestation, si je fais pas sa musique. Non. Moi, j'ai joué ses musiques. Non, comment draguer? Qui l'a? Non, 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 faut pas dire ça. Personne n'a dragué. Je sais pas si. Dans le Baby Power, c'est pas le but. Moi, je viens pas dans. Je viens pas. Je ramène pas les gens pour confort. Je drague pas, moi. Je suis pas quelqu'un qui vient dans le Baby Power pour pouvoir, non. C'est pas ça. Le mouvement, il sert à quelque chose. Après, les couples peuvent se faire. Donc, si elle vient avec sa bouche là, tu vas draguer. Les Bamikés n'aiment pas les femmes de tête brûlée. Hein. Moi, en premier, là, j'aime pas les femmes qui crient. On n'a pas été éduqués comme ça. Nos femmes sont polies, elles sont courtoises. D'accord? Donc, je ne peux pas te dire. C'est un comportement. Un vrai Bamiléki ne peut pas aller avec elle. C'est pas possible. C'est pas possible. Un vrai gars Bamiléki ne peut pas. Ça, c'est un thé qui va brûler les graisses ce soir-là. Donc, toute la graisse part. Le thé que je bois, c'est un thé unique. C'est un thé qui est unique. Donc, c'est pour mes vrais gens. Donc, celui qui a besoin, là, c'est Ibé. Donc, elle est venue comme ça. Elle a insulté tout le monde. Mais publier ses poils comment? Elle vient dans un groupe, elle met les photos nues. Ça a choqué du monde. Il y a le truc que j'ai pas envie de dire ici. Elle vient dans le groupe WhatsApp à l'époque, parce qu'on a deux groupes. Il y a le groupe WhatsApp, le groupe Telegram. Elle vient dans le groupe WhatsApp, elle demande qu'on aille télécharger ses photos. Est-ce que dans nos mœurs, on fait ça? Est-ce que chez les Bamiléké, on me voit en train d'aller télécharger la photo de quelqu'un? Elle fait ces trucs érotiques, c'est son droit. Mais nous, on n'est pas là pour promouvoir cela. Non, il y a des trucs que je n'accepte pas. C'est une sorte de prostitution un peu déguisée, quoi. Et puis ça passe à quoi après? Donc quand tu viens là, il y a des femmes correctes dans BPS. La vie, il y a des femmes correctes. Il y a des femmes stables. Il y a des trucs qu'elles ne veulent pas sentir. C'est pour ça qu'on filtre. Non, c'est pour ça en fil. Je n'ai même pas encore suivi son live, quoi. Je n'ai pas encore suivi qu'est-ce qu'elle a dit, etc., etc. Non, je n'ai pas suivi. Dans Baby Power, on filtre. On ne vient pas là parce que on veut cela jouer. On ne prend pas les gens de haut. Il y a un règlement intérieur, il y a une charte à respecter. Soit tu la respectes en avance, soit tu te mets à l'écart. Qui va la soutenir comme ça? Cette fille ne peut pas décoller. Tu ne peux pas décoller sans ta communauté.
Tu ne peux pas. C'est-à-dire que ici, dans la musique, pour qu'on te soutienne, ce sont les Bamiléké qui soutiennent. Donc quand tu mets ta communauté à dos, c'est mort. Personne ne peut te soutenir. Le seul peuple qui soutient, ce sont les Bamiléké. Vous n'avez pas écouté Bidjan, il dit que ses frères, c'est les sorciers. Il a raison. Le seul peuple solidaire qui soutient, ce sont les Bamiléké. Ça, on ne peut pas vous le mentir. Je suis dans ça et je sais. Ce n'est pas que je me jette les fleurs. Le seul peuple qui soutient vraiment, c'est-à-dire que à l'instant où tu cries, ils sont là. Ils sont mes frères. Ça, il faut se le reconnaître. C'est dans nos gènes. Donc, tu ne peux pas dire que tu es artiste. C'est pourquoi Katino, quand elle a insulté les Bamiléké, elle a regretté. Est-ce qu'on discute avec ça? Katino, quand elle a insulté les Bamiléké, elle a regretté. On parle de quoi? Bamiléké te met en haut, te descend. Il te met en haut, il te descend. Donc, ce qu'elle fait, elle tourne là en vous. Non, faut laisser. C'est plus fort que elle. Maintenant, elle insulte les Bamiléké. Moi, je ne pourrais jamais insulter ma communauté. Je ne pourrais jamais insulter ma communauté car il y a des choses que je ne peux même pas me permettre. Ma communauté, des valeurs qu'on m'a inculquées, car c'est que je perds le nord. Non, si j'insulte ma communauté, c'est que je perds le nord. Ça peut vous le dire. Ah, ça, c'est dédié. C'est dédié. C'est pas possible. Voilà, il est avec nous. Il est, tu es témoin qu'Oshika, elle mettait tout le monde mal à l'aise dans le groupe. Il est là. Il est là. Ce qu'elle fait là, c'est sa communauté qui va la sauver. C'est-à-dire que même quand c'est n'importe comment, on ne laisse pas nos frères dehors. Même si Oshiga, elle est folle, c'est nous qui allons la chercher. On va pas la pardonner. Malgré ce qu'elle fait là. Mais les autres, c'est pas ça. Il faut voir le cas de Wapso. Wapso est mort ici comme ça, les gens l'ont pardonné. Wapso est mort comme ça ici, les gens là, ses frères l'ont abandonné. Donc notre solidarité n'a pas de nom. Et que notre solidarité n'a pas de nom, ça dit que ça n'a pas de prix. C'est automatique. Donc ce qu'elle a fait de faire, qu'elle m'a insulté, qu'elle a parlé de moi, bon, moi je suis un président, c'est normal qu'on parle de moi, en bien ou en mal, il faut que je me prépare pour ça, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais elle est venue dans le groupe Babi Power, elle n'était même pas à jour de ses cotisations, elle n'était pas à jour de ses cotisations, même comme ça on l'a fait, il l'a fait rentrer, elle a payé plus tard. Parce qu'elle n'avait pas d'argent. Le ndop qu'elle porte là, c'est moi qui lui vends ça. Et elle négocie encore, je baisse le prix. Parce que je dis que c'est une soeur. Mais tu ne peux pas rentrer dans un groupe, tu mets tout le monde à dos. Personne ne voulait travailler avec elle. C'est-à-dire quand le banquier te dit que gars, ta musique, on ne télécharge pas. Parce que nous sommes comme ça. Même quand c'est pas bien, on apprécie. Elle n'est plus dans la musique là. Elle est à côté. Elle n'est plus dans la musique. Pourtant, elle avait un beau départ. Elle avait bien démarré. Hein. Elle avait vraiment bien démarré. Tu vois. Donc là aujourd'hui, elle est avec quelqu'un qui a échoué. Même si tu fais le buzz.
T'avais quelqu'un qui a échoué, t'avais quelqu'un des bébés qui ne portent pas dans le cœur. Amen, amen, les bébés qui ne portent pas dans le cœur. Quelqu'un qui a échoué. Tu vois? Donc, le mec il est parti, il dit qu'il devait faire le poulet. Après, il fuit, il revient. Maintenant, tu as encore tourné pour faire le buzz, vous montez, vous descendez, vous faites 4 directs par jour, vous insultez les gens. Vous insultez les gens. Ça crée des sujets qui n'ont pas de sens parce qu'il faut avoir la visibilité et faire monter. Oshigama a appelé. Elle me dit, elle veut un comptable. D'accord? Je lui dis ça ici. Elle me dit, elle veut un comptable. Je lui dis, ok, j'ai mon comptable. Elle appelle mon comptable. Je lui donne le numéro 1. Hein. Il appelle. Mon comptable avait 12 ans. 12 ans. Je travaille avec lui. Appelle, ouais, il répond pas, il dit, mais attends, calme-toi. Je sais pas ce qu'il a fait, c'est un gros cabinet. Mon comptable, c'est il a au moins 30 employés. Donc, tu vois, il va l'appeler comme ça. Et je l'appelle pourquoi? C'est parce qu'il veut, je sais plus qu'est-ce qu'il voulait là, déclarer quoi par rapport à Facebook. Parce qu'apparemment, Facebook demande de te mettre en auto-entrepreneur, tout comme ça. Et la façon dont elle a parlé, même elle a rappelé mon comptable, il n'a plus pris. Si elle ment, si elle ment. Plus que cher, il a disparu. C'est-à-dire que si elle ment, tout ce qu'elle cherche, ça part. Donc elle m'appelle et me dit, je veux le comptable. Mon comptable, elle le confie pas à n'importe qui. Oui, c'est parce qu'à l'époque, Facebook demande certaines fiches, certains trucs, les mises à jour, quoi. Donc tu as besoin un peu de tes mecs en auto, machin, etc. On a voulu l'aider. On a voulu l'aider. On a même fait le barbecue Bami Power en 2022. En 2022. Quand on commence à organiser le premier barbecue, je la mets déjà en tête de liste comme artiste. Que la venir chanter. Que la venir chanter. Et malheureusement, elle demandait même 500 euros à rentrer pour lui payer ça. Sur le site, il n'y a pas moyen de faire des branchements, quoi. C'est-à-dire que vous faites un barbecue sur le site. Non, non, il n'y a pas moyen de brancher les câbles. Et au final, on a décidé que bon, ben, il n'y a pas de câble qu'on ne branchera plus. Elle s'énerve. Ouais, vous êtes toujours comme ça. Pourquoi vous faites ça? Oui, les Camerounais. Car toujours à se plaindre. Tu es petit. Donc quand tu es petit, là, prends le temps pour monter. Prends le temps. Nous sommes là depuis les années. Tu nous manques le respect. Tu es malade. Nous sommes là depuis des années. Tu manques le respect. Et là, ta communauté te lâche. Même qu'ils ne te soutiennent plus. C'est ça. Quand tu faut comprendre tes cartes. On attend seulement le jour où ça va, malheureusement, vient seulement dire que bon, voilà, qu'est-ce qui se passe, on regarde. Même si elle a un souci, demain, moi, je vais m'inquiéter, son cas, parce que je suis d'abord un président, c'est normal. Il va de soi que l'Amérique soit mal, et que je me pose la question, qu'est-ce qui va pas? Ok? Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, nous, on ne peut pas s'identifier à cette dame. Non, c'est pas possible. On ne peut pas faire, on peut pas s'identifier. Le même qui veut, on veut la crème. Mais pas c'est ça. On ne peut pas s'identifier à cette dame. C'est pas possible. Ok, non. Ce qu'elle fait aujourd'hui, on s'est dit qu'elle a un problème. On se dit sincèrement, elle a un problème. Ouais, et ça fait ça. Et chacun essaie de s'écarter en disant, elle va avec ta merde, quoi. Tu vois. Bon, ce qu'elle fait aujourd'hui, elle essaie de gagner sa vie à travers Facebook. Elle travaille pas. Donc, elle est obligée forcément de faire que des lives, de créer du contenu, peu importe la qualité du contenu, elle est obligée d'être présente. Il faut créer du contenu régulièrement pour être monétisé à suffisance pour pouvoir vivre. Mais si tu veux faire du contenu, fais du bon contenu. Comme ça, tu vas mobiliser autour de toi d'abord tes frères du village. Ils ne vont jamais la supporter.
Ce qu'elle fait là, c'est du bluff. Le quoi ne faut jamais la supporter. Je vous dis à grand jamais. Parce qu'elle traîne avec un mec qui pense que le non. Les quoi ne vont jamais la supporter. On va toujours l'insulter que sale bami. On va toujours l'insulter que sale bami. Donc, en cas de jouer à double tranchant, là, ça va se retourner contre elle. Ah, ça peut vous dire. Elle va se retourner contre elle. Donc, ce qu'elle est en train de faire là, c'est rien du tout. C'est son one man show, quoi. Et puis, nous, on travaille en avance. Nous avons les grosses dates en 2024 pour le Bami Power. Donc, nous avons les grosses dates. Ça, c'est le relevé de qui ça? Ça, c'est le relevé de la petite princesse. Waouh, quand il y a beaucoup d'argent, hein? La petite, il va me flop le dos. Hein? Le foot commence à payer là. Mais comme elle est encore mineure, le relevé arrive d'abord à la maison. Moi, je ouf. Relevé arrive d'abord à la langue. C'est le relevé. Elle a eu beaucoup d'argent qui tombe. Bon, elle est assez autonome de la dépense, ça va. Voilà, ça va que elle dépense pas beaucoup. Facture, carte bleue. Bon, ça c'est parfait. Faut toujours regarder les comptes des enfants. Oui, mais c'est clair que. Mais c'est une petite qui a connu des moments difficiles. Comme tout le monde d'ailleurs, hein, a connu des moments difficiles. Elle a fumé le caillou. Non, mais le tribalisme anti-bamiléké, le tribalisme anti-bamiléké, non, il faut pas l'écouter, la famille. Salut Bijou, comment vas-tu? J'espère que tu as passé une très bonne journée. Quand vous entendez la notification, comment ça veut dire que l'argent est en train d'entrer dans le compte. Quand vous entendez, ça fait ding 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 ding, ça dit qu'en même temps qu'elle vous parle, l'argent est en train de pointer. Il y a un coin, le pays de vrais mots. C'est que quand elle vous parle à l'instant, j'entends les notifications comme ça, mon corps est sucré. Attendez, je regarde, je finis de regarder le courrier, parce que c'est arrivé beaucoup. C'est arrivé beaucoup. D'accord, ça c'est EDF qu'il faut payer, ça c'est EDF. Voilà. Le courrier reste tombé. Tu rentres le soir comme ça, tu tombes sur un paquet. Là, ils me disent quoi encore? Ça, c'est encore les factures. Bon, on va gérer ça. Ça, c'est quoi le gaz? Ça, c'est le gaz. Ça, c'est le gaz, ça. Bon, ça c'est un prélèvement, ça. Bon, on va continuer à parler. Mettez-moi les cœurs, hein. Mettez-moi un peu les cœurs. Mettez-moi un peu les cœurs. Donc, en gros, Oshiga fait son temps. Et puis, elle va épuiser, elle va lasser du monde, en fait. Donc, même si elle parle de moi, j'entends me dire elle parle de moi, elle raconte des conneries et tout. Non, non, les gens vont se fatiguer à force de voir. Tu n'es que dans ça. Non, elle s'attaque à tout le monde. Elle est petite.
Ok, sa musique, bon, on va se dire quand même qu'elle se barre. Hein? Il y a quand même un peu de sonorité, tu vois. C'est la musique qui peut exploser, quoi, si elle se met à fond à travailler. Ok, sa musique peut quand même percer un tout petit peu. Mais vu comment elle est partie, se mettre avec un tribaliste, c'est-à-dire que même si tu vannes les gens, oh, ben là, mon com, tu vois, mon com. D'accord. Non, mais là, voilà, vu comment elle s'est mise avec un tribaliste qui a dit qu'il devait couper la tête des Bamiléké, c'est pas passé. Personne n'a jamais désiré ça. Et tu veux que les Bamiléké viennent te soutenir. Même les Nkwa savent que le soutien est inné. Les Bamiléké soutiennent, c'est-à-dire que peu importe. On soutient beaucoup. Là, le moment de joie, on soutient énormément. Moi qui vous parle là, moi qui vous parle, samedi dernier, j'étais à trois veillées. Trois veillées, moi, trois. Je quitte ici, je finis ici, je donne l'enveloppe. Quitte ici, Thomas donne l'enveloppe. Quitte ici, et TV donne l'enveloppe. On soutient. Ça, il faut le reconnaître. On essuie les larmes quand ça va pas, quand c'est bien, quand c'est des mariages, on est présent. Donc elle attend de pas le soutien des Bamiléké pour l'instant là. C'est mort. Et il faut savoir faire profil bas. Quand tu es Bamiléké, quand tu te cherches, il faut savoir faire profil bas. Ne lui manque pas le respect, gars. Non, manque, tu vas manquer le respect quand tu es déjà à un niveau, mais elle se bat encore sur Facebook. Quelqu'un qui se bat sur Facebook, tu veux vivre justement grâce à ce qu'on te donne. Mais gars, donne, caresse tes frères, viens les entourer, viens pleurer, viens dire que je n'ai pas. Coucou l'habilleuse, c'est qui encore l'habilleuse boutique? C'est qui? J'ai entendu parler de cette habilleuse boutique là. Coucou, c'est qui? J'ai entendu parler un peu de ça. Je sais pas si c'est une marque de vêtements. Mais là, mon com. C'est Oshiga qui cherche le soutien. Elle dit qu'on la soutient pas. Ben là, mon Kami, pourquoi tu m'envoies ton logo? Si tu as ton logo, si tu as une société, si tu as auto-entrepreneur, envoie-moi ton logo. S'il y en a qui sont dans le live qui ont des sociétés, qui sont certainement Bamiléké, hein? D'accord? Qui sont Bamiléké, qui m'envoient le logo. Je lui donnerai les dimensions, je vais m'envoyer les logos bien travaillés. Voilà, donc oui, c'est que j'ai le soutien. C'est que j'ai le soutien, mais bon, elle est. Coucou, Nana Théodule, comment vas-tu? Non, c'est que j'ai le soutien, c'est aussi que j'ai le soutien. Et puis, bon, on a parlé un peu en commentaire dans mon live, etc. Qu'elle m'a cité. Ouais, c'est le resto, mais tu m'envoies un beau logo, hein? Bien travaillé, quoi, avec pas déformé surtout. Hein? Tu me donnes le nom, tu m'écris en libé après. Tu m'écris en libé après. Tu me balances ton logo. Et puis ça va être bien pour toi. J'en dis pas plus ce soir. Bijou quand même. Toi tu mets les organes quoi. Non, tu mets les organes. En tout cas, le live c'était pas pour elle. Le live c'était que j'étais en train de boire mon petit thé. Après une grosse journée de travail, je me suis dit, bon, je prends un petit thé, je m'entretiens avec mes frères du village, quoi. Hein? On discute un peu le temps que je décompresse et puis je vais au lit. Voilà, j'ai mis ça à monter, il est fini, donc je vais perdre un peu du gras ce soir, vous savez. Voilà. Et puis, d'accord, l'habilleuse, il faut que tu m'envoies ton logo aussi. L'habilleuse boutique, la marque française de vêtements spécialisés pour les femmes pulpeuses. Très bien. La PDG française d'origine camerounaise de Tian. Bravo. Félicitations. Hein? J'ai déjà. Bon, dans le cercle qu'on a déjà conçu, il y a au moins près de 200, 250 Bamiléké qui ont envoyé le logo. Mais il y a le challenge. Hein? Voilà. Tu m'envoies ton logo et puis on en parlera. On en parlera. Si tu fais du bon, parce que si tu fais pas du bon, c'est pas la peine que tu te greffes à nous. Hein. Nous, c'est l'excellence. Nous, là. Nous, là.
Nous, c'est l'excellence. Il faut être hyper pro. On ne se greffe pas aux gens qui viennent essayer, quoi, non. Essaye maintenant quand tu es bon. Tu nous donnes un jeu. Oshiga, c'est pareil. Incroyable que tu es arrivé. Tu chantes deux chansons, tu crois dire que tu es arrivé. Non, tu peux pas faire ça, Oshiga. Tu es venu dans le groupe. Baby Power, les gens ont téléchargé. J'ai demandé aux gens, les gens ont téléchargé ces chansons. Même quand ce n'était pas bon. J'ai des captures d'écran que je peux montrer, mais je ne fais pas ça. Les gens ont téléchargé ces chansons. Elle vient dans mon institut. Je lui fais une prestation qui dure 2 heures, qui me coûte environ 180 €. Je lui fais ça à 69 €. Elle me dit, ouais, j'ai seulement acheté deux son chansons chez elle. Mais tes chansons sont pas, mes, c'est pas mon genre musical. J'étais motivé. Tu as mis ton truc à 2 € la chanson. Je veux pas aller acheter au prix de la prestation que tu as bénéficié chez moi. C'est pas possible, c'est logique. Mais la com que j'ai fait derrière pour toi, tu gagnes de l'argent. Dans mes sociétés, je mets ta musique, j'incite les gens à aller voir un peu, machin. Dans le groupe même, je vous parle. Le groupe même, les gens ont téléchargé ces musiques. Mais ce que les gens n'ont pas apprécié, elles voulaient que les gens aient téléchargé des photos nues. On ne peut pas, nous, pas miliquer, motiver les gens à aller. Non, il y a quand même un peu de. La noblesse, c'est ça en fait. Nous, on n'est pas dans les trucs. Non, non. Moi, je suis dans mes quatre murs. Non, il y a le truc que je suis dans mes quatre murs. Je peux montrer sur Facebook. En tant que présidentiel, fuck up ici. Même Bijou Kamé va me tailler. Il y a les gens ici qui me suivent à l'œil. Je suis une D qui est là. Elle me suit. Si elle fait un truc qui n'est pas bon, elle me dit, président, attention. Toi, il y a le truc que je ne fais pas. Moi, je suis sportif. Je suis un coach. Je peux enlever, me faire mon live comme ça. J'enlève mes tablettes. Je vous montre. Mais non, ça m'intéresse pas. Parce que à un niveau. Hein, voilà, il y a des gens que je respecte. Bijou Kamel, je respecte. Zuidundé, voilà. C'est des gens qui me suivent pour des valeurs que j'incarne. Évidemment, voilà, merci. Voilà, comme je témoigne. C'est, tu vois, parce que j'étais quelqu'un qui. Quand je dis qu'on soutient, on soutient. C'est moi qui demande. Plein de personnes connaissent cette dame à travers moi. Je profite rien derrière, ça m'intéresse pas. J'ai rien à gagner. J'ai rien à gagner, mais je me dis, c'est la communauté. Voilà comment on se soutient. Regardez comment en face, Apicolo se plaint. Apicolo se plaint que les écrans ne se soutiennent pas. Apicolo se plaint que les écrans ne se soutiennent pas. Et c'est une vérité. Ils le disent parce qu'ils voient que nous avons la solidarité qui est dans nos gènes. Et on continue à le faire. Quand je prends vos logos là, quoi que c'est pourquoi? Quand je demande vos logos là, il y a un travail qui se fait derrière. Il y a un e-book, il y a plein de trucs qui vont se faire, vous allez voir bientôt. Je le fais gratuitement parce que ma communauté, j'adore me sentir dans ma communauté. Je suis pas un aigri, moi. J'en ai 8 milliards d'êtres humains sur Terre, chacun a son potentiel. Donc si une joue à son produit, qu'elle se démarque, je suis obligé de soutenir. Obligé, ça ne. Non, je suis obligé. Oui, Apicoro, bon, c'est un tribaliste. Il faut se dire les vérités. Ce mec, c'est un tribaliste. Ok? Pour pas se prétendre être homme de médias, il vient pleurer, gars. Il est descendu, le mec qui est descendu. C'est, mais quand tu regardes la tête du gars, c'est comme s'il avait, il s'est drogué pour venir parler. Mais il regardait les pas. Il faut voir la tête du gars. C'est comme si le gars s'est drogué. Mais c'est un tribaliste. C'est-à-dire, en fait, la différence entre eux et nous, on protège nos génies. Nous protégeons nos génies. C'est pour ça. Quand il y a un génie dans la famille, on se met autour de là, du génie, on le propulse. On le propulse. Non, il n'a rien dit de spécial. C'est un gars qui est perdu. C'est un petit qui est orgueilleux. C'est un petit qui prend les gens de haut. Or, l'homme va m'éliquer. Il est le chat. Il est respectueux. Tu ne peux pas venir à mon dos, donc tu insultes ta communauté du code de soutien.
Attends, un bijou, il y a quoi avec la billeuse encore? C'est quoi l'histoire? Salut Bertrand Chic, comment vas-tu? Donc, Apikilo, le mec s'est tiré une balle dans le pied. Chez nous, les Bamileki, on couvre, on protège nos génies. Ça, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire qu'on couvre quand il y a quelqu'un qui jaillit dans la famille. Quand il y a un qui jaillit dans la famille, tous les membres se mettent autour. Regardez pourquoi on est plein en main. On est plein en main, pourquoi? Je vous explique. Parce que quand on sent qu'il y a un cerveau dans la famille met de l'argent pour envoyer celui qui est bon en héros. Et il arrive maintenant, il a une tête morale. Il se bat d'abord pour s'en sortir. Il se bat pour aider la famille. Il se bat pour faire venir d'autres personnes. Ouais, c'est ça. C'est ça le Bamileke. C'est pourquoi nous sommes nombreux. Non, moi, attends. Moi, je suis en main. J'ai l'obligation de faire venir mes frères. Oh, les quoi? Quand ils sont en main, ils ne veulent pas faire venir. Ils veulent d'abord jouer seuls. Déjà, bon, ils n'ont pas beaucoup de moyens, il faut se le dire. Mais nous, quand on arrive, on se bat. On fait venir frère, petit frère, oncle, machin, tadana, ça grossit, tous les miens sont. Ils sont tous là. Et on le fait pourquoi? On le fait pourquoi? On sait que ils vont venir. Et ça donne la force, et ça donne la solidarité. Donc, Apikoro est dans le schéma où il dit qu'ils vont tout prendre. Mais ils vont tout prendre quoi? Ils vont tout prendre quoi? Les qui, nous, les Bamilékés, tu veux nous tester? Apikoro, tu veux nous tester? Tu veux nous faire ça? Va te faire ça. Tu veux tester Bamileke? Mon petit, tu cherches des alliés. Donc tu crois que tu vas venir pleurer comme ça, venir les écrans dessus. Ils ne se réunissent pas. Ils ont appris à se réunir qu'à travers les Bamileke, en faisant les tontines. Avant ça, ils ne se réunissaient pas. Bon. Montrez-moi un foyer et quand machin. Il n'y en a pas. Ils ne se réunissent pas. Ils sont solo, individualistes. Bah oui, chacun mange pour lui, il dort. Hein? D'accord? Donc, nous, dans les sociétés traditionnelles bamiléké, ça veut dire que nous, on est appelés à se retrouver. Les réunions de famille, c'est un lien fort que nous créons. Beaucoup de bamilékés ont des groupes WhatsApp famille. Les groupes WhatsApp famille, beaucoup. Hein? Donc le gars est en train de tester les Bamileke. Et les Bamileke ne t'aiment pas. C'est sûr que les Bamileke à Piccolo ne t'aiment pas. Ne vois pas ce que Fodia a fait là. C'est une fille qui en a écrit, on ne la considère pas. Ce que. Écoute, est-ce que Kamto est venu là-bas? Kamto a dit qu'il ne vient pas dans votre chaîne. Ça vous dit pas. Kamto a dit que c'est une chaîne tribale. Donc toi-même tu es un tribaliste. À Piccolo. Mais habilleux, c'est quoi donc? Dis donc, selon les Babylékis, ils ne veulent pas les clashs sur mon live, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il y a des problèmes, restons dans le live, on participe. L'habilleuse, et puis, Kamel, s'il te plaît, s'il y a un souci, c'est pas mieux de juste ça ici. Non, 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 non. Non, si vous êtes deux sur Babylékis, je crois quand même qu'à un moment donné, participons au live, contribuons au live. Mais s'il y a des tensions, je ne lis pas tous les commentaires, mais bon, je sens que ça pique un peu entre vous deux. Voilà, maintenant s'il y a des trucs, on peut gérer ça autrement. On peut gérer les autrement. On peut se consulter aussi. Je donne mon avis, Ibi. Voilà, je suis aussi là pour mettre la paix entre mes frères et soeurs. Je suis aussi là pour ça, c'est aussi mon rôle. On fait les rêves de machin. Non, ne jouons pas à ça. Enfin, on est quand même assez intelligent. C'est pas les lives de clash. C'est quoi, me suivez? Hein? Donc j'ai demandé, je vais prendre le numéro, le logo de l'habilleuse
Après, si elle a fait son produit qui est bon, on met ça en avant. Voilà, chacun sa chance, on donne la chance à tout le monde. Moi, je ne fais pas ça pour l'argent. Maintenant, s'il y a des tensions, ça peut arriver. Mais de grâce, s'il vous plaît, préférable quand j'ai ça autrement. Que moi, je peux être au courant de ça, je donne mon point de vue, mais sur un live comme celui-ci, moi, je pense que c'est plus ou moins les Bamiléens qui me regardent. La plupart, c'est ça, mes frères qui me regardent. Et me voir que non, ne faites pas les affaires de Chantal là, ici avec Coco à chanter là. Non, s'il vous plaît, on a du boulot. Hein? Une querelle en face, mais non, non, je vous en prie. Donc, à Piccolo, il est tribal, c'est un tribaliste. Même le président élu a décidé qu'il n'ira jamais sur cette chaîne-là. Ça ne vous dit rien. Donc, sa sortie d'hier, c'est les pleurs du mollet. Et tu n'auras aucun soutien. C'est pas naturel chez vous, en fait. C'est pas naturel. Nous, les Bamiléens, on ne demande pas de soutien. C'est-à-dire que ça vient seul. Quand j'ai un problème, Zui m'appelle et me dit, c'est comment? Tu veux que je fasse quoi pour toi? L'habilleuse qui est là, ou bien d'autres personnes vont m'appeler. Président, c'est comment? Qu'est-ce qu'on fait? Tu fais comment? Tu fais comment? Je suis là. Il se propose. Bijou Kamel va dire que gars, c'est comment? Tu veux quoi? Tu as besoin de moi? Machin. Il se propose. L'homme américain, c'est ça. C'est une culture qui est unique. C'est une culture qui est unique. Donc, l'appel que tu as fait hier à tes frères, il n'y aura personne. Il n'y aura personne. Ce n'est même pas nécessaire de sortir comme ça, transpirer, dire que j'ai une belle femme, j'ai ceci. Est-ce que le Bamiléké fait comme ça? C'est même vous qui cherchez la merde, de quoi on vient encore vous tailler. Tu viens nous dire que nous, on a tout pris. On a vu la qualité des gens que tu as invités sur ton plateau. Les Onanguini, tout ça, c'est une chaîne tribale. Les Onanguini, tout ça, là, les vieux pères là, avec les vestes de 1900, machin. Vous les invitez sur les chaînes, ils viennent parler des Bamiléké. Et tu penses que tu as sorti. Même si on te crame, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Tu penses que c'est aujourd'hui là que tu as dit que les écrans mais soutenir, ils ne viendront pas. On voit le comportement sur Facebook. Non. Non, il ne faut pas calculer Oshiga. J'ai déjà parlé d'Oshiga. Non, non, j'ai déjà parlé d'elle. Non, non, Oshiga, elle a son problème. Elle a ses problèmes. Non. Oshiga, même si elle nous insulte, Fanganou, je comprends. Moi, en tant que président, il faut la considérer comme ça. Hein? Chez nous, on ne jette pas l'enfant. Non, faut laisser. Il a encore fait son one man show. Voilà, faut laisser. Ça a fini par passer. Elle a un problème. Elle n'est pas contente. Faut comprendre. Il faut chercher à comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Il faut chercher à comprendre pourquoi elle réagit comme ça. Peut-être c'est un appel. Ok? Peut-être c'est un appel. Donc, le cas d'Oshiga, c'est un cas qu'on peut débattre. C'est un cas qu'on peut débattre. C'est une fille Bamiléké. Elle chante Bamiléké. D'accord? Mais aujourd'hui, c'est un peu ambigu, quoi. Ça veut dire qu'elle ne. Beaucoup de Bamiléké ne lui portent plus à cœur. Ah, il veut utiliser Frambia. Non, mais Frambia, que j'ai vu là. Non, Frambia. Non, ça passera pas comme ça. Il faut arrêter ça. Ça va s'éclater. Non, non, il faut laisser ça. Elliot Toops, non, j'ai plus que 3 vues là, j'ai 20 vues. Avec toi, ça fait 21 vues. Donc, je sais pas compter. Elliot Toops, tu sais pas compter, tu vois. J'ai plus de 3 vues là, j'ai 19 personnes. Avec toi, ça te fait 20. 20.
Bon, je te compte même pas parce que tu es un chat. Tu es un animal et je te compte pas. Donc, en gros, il faudra faire très attention en 2025 parce que ça va se jouer. On a une région à défendre. Nous avons une région à défendre. Nous avons été mis à l'écart pendant 40 ans. Pendant 40 ans, les Bamékens ont été mis à l'écart. Les grands postes et tout ça, on n'a pas eu droit aux grands postes. Et ce Cameroun-là ne se fera pas sans nous. Soit nous sommes un peuple puissant dans ce pays et on réclame notre part de gâteau énorme. Parce que si on divise le Cameroun, on dit que bon, les richesses, etc. Nous, au moins, c'est 70% qu'on prend pour les Bamékens. Donc, il faut faire très, très attention. L'heure de vérité va bientôt sonner. On a une région à défendre. On a une région qui n'a pas d'aéroport. Et on regarde aujourd'hui que la diaspora bamélique est assez puissante. La communauté bamélique est assez puissante. C'est-à-dire qu'on devait avoir l'une des régions les plus enviées en Afrique. Oui, parce que nous avons les potentialités, nous avons les moyens. Dans le Bamiyipa, Power, tu entends les gens arriver avec 50 diplômes, 30 diplômes. Je vous dis, dans le mouvement, il y a du génie en nous. Mais on ne vient pas pleurer. Voilà les gens qui ont le pouvoir. Hein. Ils viennent pleurer, c'est fréquent. C'est bête, hein? Mais c'est dingue. Mais qu'est-ce qu'il n'y a pas? Vous avez le pouvoir. Et tu viens pleurer qu'on ne t'a pas aidé. Mais c'est la sorcellerie. Non mais, j'ai vu le live, je dis, c'est vous qui avez tout. C'est vous qui avez tout. Tu viens pleurer qu'on ne t'aide pas. Donc, non. Bijou, quand même, tu vois que d'accord avec moi, c'est petit. Mais on n'a pas le gâteau. Et on a quoi à l'ouest? Non, on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas ce qu'il faut. Non. Mais nous sommes sur la population camerounaise, nous représentons au moins 30%. 30% de la population camerounaise. Numériquement, nous sommes le peuple le plus important, le plus influent. Oui. Ben oui. Numériquement, nous sommes importants. Donc quand tu vois les Ndioumé ici là, non, non, c'est les petits trucs, non. Vous savez qu'on a combien de départements à l'ouest? Et quand tu fais le ratio, rien qu'avec ça, on doit avoir autant de ministères. Ils ne nous donnent que des miettes. On a une région qu'on doit développer et c'est la diaspora bamiléké qui doit se mettre devant. Et barrer la route. Non, mais Fanganou. Oui, effectivement, il faut chasser tout ça, non, bijou. Non, pourquoi? Mais qui vont aller au Burkina Faso? T'inquiète pas, que Burkina Faso. Tu pas dire ça. Non, il n'y aura pas au Burkina, c'est pas possible. Donc, à Pikiro aujourd'hui. Désemparés et voilà le peuple Ikan comme on dit là ou bien c'est les Ikan ou bien c'est les Boulous c'est quoi je connais même pas d'où vient le mot Ikan les voilà maintenant ils sont en train de sortir sentez que ils sont déchirés ils sont habités par le tribalisme c'est tout.
Et quoi, qui est dans le plus grand hôtel? Dans le plus grand hôtel? Non, il faut qu'il a. Il ne sait pas de quoi il parle. Je ne sais même pas comment il dit qu'il est. On m'a dit qu'il n'a pas de diplôme de journalisme, mais il vient là, il dit qu'il est parti, que c'est la conche qu'il a mise à son père, qu'il a une femme avec les enfants. J'ai dit, mais c'est un journaliste qui dit ça. C'est un journaliste, on dit qu'il est chef de média. Il vient faire un live ou bien il va faire le mature. Mon petit, tu as fuck Et c'est là où tu es venu encore parler des Bamileke, qu'on a tout pris. Alors là, on va encore tout prendre. Là, on va encore tout prendre. Là, ne t'inquiète même pas. Je crois que tu ne connais pas. Hein? Non, non, je crois que tu ne connais pas. Ça, c'est ce que vous dites là. Quand tu finis ton émission dimanche avec Esomba, toute ta bande là, vous assez dans le tourne de vous manger, vous parlez de nous. Donc, c'est qui se dit entre vous là. Tu es venu sortir ça hier. Ils ont tout pris. Mais vous avez dit que vous avez le pouvoir, ça vous a endormi. On vous a endormi avec ça. On vous a endormi avec le pouvoir. Pourtant, vous n'avez que dalle. Que dalle. Ben, il suffit de voir. Hein. Ben, bien sûr qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux de nous. Ils sont quasiment tous pareils. Non, ils sont jaloux, ils sont extrêmement jaloux. Mais on va pas se laisser abattre. Ça dit que le peuple bamiléké avance. Le peuple bamiléké croit. En termes de richesse aujourd'hui, en termes de ressources humaines, on est dans tous les domaines. L'avantage, c'est qu'on nous sommes dans tous les domaines. Tout, je dis bien, tout. Alors là, vous pouvez dormir tranquille. Ça, ce n'est plus qu'une histoire qu'on était que des commerçants. Non. Aujourd'hui, il y a du génie bamiléké partout. Ça, je peux vous dire. Ça, je le côtoie tous les jours. Il y a du génie bamiléké partout. Et ça n'écrit pas sur la toile. Nous sommes devant, on prend les coups. Mais il y a des gens en sous-marinage qui disent que, ouais, chapeau. D'accord? Bon, là, il faut être optimiste. Il faut être optimiste. Très important. Donc, on a vu un gars effaré qui vient faire des lives. Il gesticule, il transpire. Le langage non-verbal, ça vous dit? Quand tu regardes le mec qui n'est pas serein, est-ce qu'il est posé comme moi en fait? Mais le gars était excité, super excité, mais putain, on dirait que le mec avait. Le mec était tendu comme un string. Il n'est pas vu ça. Il regardait de partout. On dirait qu'il était hanté. Il gesticulait, il parle, il parle de lui, il parle de sa vie, il raconte des conneries, il appelle ses frères, mais on dirait il sent un mal venir. Hein. On dirait qu'il y a un danger, quoi. Moi, je sais pas, je me suis dit, bon ben, le mec, il avait un visage un peu crasseux, plein d'huile, mal coiffé. Enfin, il y avait un truc qui n'allait pas. Il y avait un truc que tu sentais une chaîne, tu sentais soit on l'a poussé à parler et ça se retourne contre lui parce que les sorties qui ont suivi derrière. Les sorties qui ont suivi derrière, il y a peu de boulots qui sont sortis l'acclamer.
Il y a peu de boulots qui sont sortis. On a qu'à le tailler partout. On le taille partout. On le taille pourquoi? Déjà parce que le Zomblo avait déclaré ouvertement que le peuple Ekan est foncièrement méchant. Et comme c'était un supporter du Zomblo, il est monté sur ses grands chevaux. Coucou, Roxane, t'es comment? Il est monté sur ses grands chevaux. Le Zomblo étant en difficulté, lui-même aujourd'hui, ses frères ne sont pas d'accord là où il est. Les frères de Apikoro ne sont pas d'accord là où il est. C'est pour ça qu'il appelle au secours. C'est humain, c'est un secours. Il ne peut pas rassembler. C'est pas un rassembleur. C'est pas dans le gène de rassembler. Ils nous ont souvent critiqué, porté critique qu'on a des foyers partout, mais le foyer est un lieu par excellence de liaison. C'est-à-dire qu'on se réunit dans les foyers pour régler les problèmes, pour faire les tontines, pour créer une certaine osmose. C'est bon les foyers. Ouais, ça. Or, eux, c'est pas le cas. Eux, ils ne se rassemblent pas, très peu. Ils ont commencé à se rassembler à travers nous. Ils ont fait un peu les tontines, ils ont appris sur nous. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi il est difficile pour eux de demander comme ça de former une confédération et ça marche. Parce que dès le départ, ils ne le faisaient pas. Non, ils ne le faisaient pas. Vous allez voir que tous les mouvements bamiléké en diaspora, que ce soit tontine, association, etc., fonctionnent. Fonctionnent. Il y a du monde quand ils font une fête. Allez voir, la dernière fête, c'était la soirée des Bahamas. Il y avait du monde versé au roi. Le Bami-Pawa, c'était plein à craquer. Et d'autres événements que je cite pas ici, blindés, mais montrez-moi un événement. T'as vu Bertini? Il y a eu quoi encore? Il y a eu quoi encore, Orson? Bertini, c'est... Ouais, bah oui, je l'ai vu très tendu aussi, hein. Je l'ai vu très tendu contre Oshika. Je sais pas si c'est de ça que tu parles. Donc, Non, le congrès est quand. Le congrès est quand on ne se lève pas un matin pour faire un congrès pour copier sur les autres. Parce que tout ce que vous voyez là, que ce soit les Bassa, les Douala, ils sont en train de copier sur nous. Voilà, ils sont en train de copier. Non, j'ai expliqué encore le cas d'Oshiga. Elle a essayé de parler de moi. Mais je vous ai dit, moi, c'est une fille que j'ai voulu aider. Ok, elle me dit, elle a dépensé chez moi et j'ai payé 1 € pour son titre. Mais son titre coûte 1 €, tu veux pas. Enfin, c'est le prix à payer quand tu vas télécharger en ligne. Et quand tu viens chez moi pour une prestation, ça a un coût. Hein? Moi, j'ai des ardoises. Hein? Moi, j'ai défié une prestation encore. Je lui ai fait un prix. Et ça, elle n'a jamais apprécié. Bah, je ne veux pas te faire venir chez moi. Moi, quand je vais chez un frère pour manger, je paye. Je vais chez un frère, je ne sais pas, moi, il est tarciment, je paye. Je ne suis pas là pour demander, non, fais-moi le prix. Non, tu ne fais pas le prix. Non, il a des charges à payer. Mais Oshiga arrive chez moi pour une prestation que j'avais facturée qui coûtait 169 euros. Tu te retrouves à 89 ou 109 euros, je ne sais plus, il y a peut-être 2 ans de ça. Et tu viens chipoter. Est-ce qu'on manque l'argent ici en main? Est-ce que dans le pays on manque l'argent? Tu payes le prix, quoi. Hein? Tu payes le prix. Voilà. Donc, j'étais en train de dire que le Congrès, que ce soit les Bassa, les Douala, machin, ils copient sur nous. Ils savent qu'il y a des choses que nous faisons bien.
Oui, entre autres aussi, Orsan, mais qu'est-ce qu'on fait, Orsan? On fait tout pour la récupérer ou pas, Orsan? C'est une sœur du village, non? Ce que je suis en train de dire encore, il faut comprendre le personnage. Elle a des séquelles, elle a des blessures en elle. Mais moi, en tant que président d'une association, je vois que c'est une fille qui est en train de partir. Elle est en train de sortir un peu dans le circuit. Ne faisons pas comme les autres. Elle a besoin du soutien. C'est-à-dire que c'est une colère, c'est un cri de colère. Quand elle va jusqu'à dire qu'on ne l'a pas soutenue. Mais je vous rappelle qu'elle était dans le groupe Bamipawa. J'ai tout fait pour. J'ai pris sur moi. Gangoum, j'ai pris sur moi. Les gens m'ont dit exclue-la. J'ai dit non, calmez-vous. Calmez-vous. Elle est venue pleurer, elle est partie du groupe, elle est revenue encore. J'ai pris sur moi. Je ne l'ai jamais exclue du groupe. Non, je ne l'ai jamais exclue. C'est elle qui part d'elle-même. Tout ça, c'est elle a mis des gens très mal. Et quand elle arrive dans le groupe, j'incite les gens, les frères, à aller consommer sa musique. Presque tout le monde l'a fait. Mais le hic, c'est qu'elle ramène les photos. Moitié dénudée, j'ai rencontré les personnes qui voilà qui exhibent le corps. On est en Europe, hein. Mais la communauté n'apprécie pas beaucoup. Donc, les gens ont commencé à dire, mais non, c'est pas possible, non, tu ne ramènes pas ça, tu vas pas me dire. Donc, elle mélangeait un peu tout. Voilà, elle veut gagner sa vie, ouais, je comprends qu'elle veut gagner sa vie à tout prix. Et voilà, elle passe par Facebook, elle passe par les photos. Elle veut, voilà, elle veut être indépendante, etc. Elle ne s'est pas construite. Elle est en train de se battre. Ouais, elle est en train de se battre. Elle est en quête de visibilité, entre autres. Et ça, il faut l'admettre. Ouais, donc tout ça, quand vous analysez les choses en profondeur, c'est pas qu'elle était ses frères, mais elle n'a pas reçu ce qu'elle attendait de ses frères. Elle n'a pas reçu. Mais néanmoins, pour recevoir ça, il faut savoir comment tes frères réagissent. Parce que le Bamiléké, il te jarte, il va te jarter. Quand il te dit merde, il te dit merde, il te dit merde. Mais quand il s'attache à toi, il s'attache à toi. D'accord? La musique que tu vois, c'est compliqué. La musique, pour trouver son chemin dans la musique, il faut charbonner quoi. Et tu vas te donner à 200%. Tu vas être exemplaire. Et tu vas draguer ta communauté. Parce qu'il n'y a que ta communauté, celle Bamileke, qui pourra consommer ta musique. Les autres en face, ils s'en foutent. Ils vont te cataloguer comme une Bamileke. Donc ce que tu es en train de faire avec Kame, tu perds du temps. Tu perds vraiment du temps. Tu es hors du circuit là. Ah, je te dis une vérité première, avec l'expérience de la vie que j'ai. Je suis un étudiant de la vie, hein. Avec l'expérience de la vie que j'ai, moi je te dis que ça t'amènera nulle part. Voilà. Donc, elle a voulu tout faire, monétiser les pages, prendre les pages, manager. Non, elle est perdue. Orsan, non, 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 Amer Kamer, c'est un one-man show. Non, Amer Kamer, c'est un one-man show. Amer Kamer, il a commencé dans mon live. Quand je commence à faire des lives où j'intègre tout le monde. Amer Kamer en faisait partie. Ceux qui me suivent ici depuis au moins 5 ans, 6 ans, 7 ans, savent qu'Amer Kamer témoigne dans mes lives. Amer Kamer a mon numéro. Hein. Amer Kamer a mon numéro. Parce que mon numéro, je ne l'ai jamais changé. Donc c'est un numéro que j'ai depuis près de 15 ans. 20 ans même, je ne change pas. Donc, quand tu vois un mec qui insulte Bamiléké, même s'il demande pardon, ça a heurté. Moi, je peux pas insulter une communauté, je peux pas me mettre là et dire que je veux couper la tête des écans. Gars, là,
Là, ça va me décrédibiliser. Et si je fais ça ici, Ivana Trump va me dire que non, président, tu as fuck up. Roxane va dire que non, il y a des choses que je ne peux plus faire. Il y a des propos que je peux plus tenir. Parce que je sais que vous me suivez. D'accord? Voilà. J'essaie parfois les fesses pour ne pas dire des trucs, mais bon, parfois c'est plus fort que moi. Mais je me dis, ok, j'ai ce rôle-là à jouer, il faut tout faire pour pouvoir maintenir. Donc, Ivana Trump est quelqu'une qui est regardante. Voilà Camélia. Camélia. Bon, Camélia était dans le groupe. Je sais pas si tu me permets de parler un peu du groupe, hein, Camélia. Parce que si tu me permets de parler du groupe, tu sais, elle était avec nous dans le Bami Power. Je suis bien au courant de ça. Elle était avec nous. Donc, aujourd'hui, elle est en détresse. Est-ce que tu me permets? Parce que j'aime pas raconter les choses comme ça sans demander l'accord des gens. Non, le temps qu'elle me répond. D'accord, merci beaucoup. Donc, Camélia est dans le groupe Bami Power avec nous. Demandez-lui si Oshiga n'a pas indisposé, c'est-à-dire que les gens ont failli démissionner. Les gens ont failli démissionner, jeter l'éponge, parce que voilà, les gens ont failli démissionner. Elle est venue là, dit qu'on télécharge les photos nues, elle voulait transformer Mami Power en une secte pornographique. J'ai les photos. Je mettrai sur mon mur à partir de demain où Oshiga était avec nous. Elle est venue avec ses deux enfants. Elle est venue avec ses deux enfants. J'ai eu de la peine. Je suis un père de famille. J'ai eu de la peine pour les enfants. Je me dis, mais comment je vais faire? Est-ce que j'ai le devoir de... On sentait l'enfant un peu... n'était pas stable. L'enfant qui n'était pas stable. On s'est réunis à Noisy-le-Grand. On a fait une réunion avec les membres du mouvement. Il est venu avec les gosses. Et quand on a fait le barbecue, merci, merci. On lui a donné beaucoup d'honneur ce jour-là. Vous savez, je raconte pas des salades parce que si je raconte quelque chose ici qui n'est pas vrai, moi j'ai l'honneur à défendre. Donc si je raconte les salades, vous allez me prouver le contraire et puis j'aurai, je vais savoir comment faire. On a donné beaucoup d'honneur. Beaucoup d'honneur, exagérément d'honneur. C'est une fille qui veut faire de la musique, mais tu ne peux pas la faire de la musique et tu mets ta communauté à dos. Les premiers consommateurs de la musique au Cameroun, ce sont les Bamiléké. Les premiers consommateurs de la musique. La preuve en diaspora, quand les Bamiléké font les soirées, ils invitent des artistes. Les Nkwa, ils chantent. Qui font les soirées en diaspora? Qui remplissent les salles? Ce sont les Bamiléké. Donc, cette petite, j'ai peur pour elle. J'ai peur pour elle. Au-delà de Facebook, il faut savoir avoir raison garder. Il faut avoir raison garder. C'est pas normal.
Les gens sont choqués ce soir parce qu'il paraît qu'elle a insulté encore la communauté. Je peux comprendre un peu le mécontentement de plusieurs personnes qui m'ont interpellé, en me disant que ouais, il se passe quoi, etc. C'est un enfant qui n'a pas eu de repère. Parce que j'ai des personnes très proches qui connaissent Oshiga, qui est né dans le sud, à Ebolova. Qui est né dans le sud à Ebolova. Non, Camélia, t'inquiète pas, je vais gérer ton cas, dis-donc. Là, je suis encore doux parce que la famille, ça dort, j'ai pas envie de gueuler. Il y a du monde qui dort. Là, un tome demi. Regardez une femme. Les Ivoiriens sont que la taille, j'ai mal au cœur. Ma cour soit en train de la déchiqueter. Comment je vais soutenir ça? Ma cause sent qu'elle l'a fusillé, j'ai pleuré. Je me dis, mais l'artiste, heureusement qu'elle n'a pas fait long feu avec nous. Heureusement qu'on ne s'est pas affiché longtemps. Et celle qui l'a fait rentrer dans le mouvement, c'est la dame de Londres. Mpenematchwa. Mpenematchwa, une autre frère athée aussi, qui fait rentrer Oshiga. Excusez-moi, mais c'est une petite qui est dans la mendicité. Elle rentre le soir, elle n'a pas le temps pour elle. Là, avec un mec qui vadrouille, qui a perdu sa maison à Brive-la-Gaillarde, qui est parti au pays, il voulait faire le poulet, il dit qu'il voulait faire le yéblé mal. Et tu marches avec des mecs qui ont échoué. Mais tu marches avec ce genre de mec. Mais on va te fouetter avec la paix. On va t'épiler là. Là, je vais t'épiler. On te dit que moi, je garde des poils, moi. Regarde bien. Regarde. Il n'y a pas de poils là-dedans. Regarde pas ça. Moi, en tant qu'homme, moi, je ne garde pas les poils, moi. On doit te prendre, on doit te rééduquer. Vous allez constater ici que si un mec va avec une fille, la fille n'est pas bien. Yonzo, Yonzo, est-ce qu'elle était stable? Yonzo n'était pas bien, elle était malade. Yonzo était malade. Je vous dis, son cas, nous on va l'arrêter. On va prendre les marabouts. Je vais m'asseoir sur elle. Laissez-moi que je suis président. Je vais m'asseoir sur elle. Non. Tu ne l'insultes pas. Hein? Elle est. Tu ne nous insultes pas. Ça, je tolère pas. Bettini soit il était en colère.
Bertine est sortie, est en colère. La meuf, elle remet une couche. Petite sœur, j'ai taillé les gros tribalistes, dont toi, ton cas, c'est vite fait. Car ta visibilité là, fais attention. Nous sommes les dignes enfants de l'Ouest. On n'est pas ici pour ça. Visibilité là, non. On préfère avoir quelques personnes babyliques qui sont conscientes et échanger comme je suis en train de faire. Je ne cherche pas à me faire sur Facebook. Je ne cherche pas à me faire sur Facebook. Voilà que tout ça, nudité est dehors. La honte. La honte. Nos sœurs sont dignes. Elles ne font pas des trucs bizarres. Mes sœurs, pas miliquées. Toutes celles qui sont là, c'est des filles quand même qui ont baigné dans ça. T'es folle ou quoi? T'as craqué non? Moi, je vais t'exploser même. Moi, je vais t'exploser. Tu veux me tester? Tu veux me tester? On va jouer donc, on va donc jouer à ça. Aucun babiliqué, c'est-à-dire que n'est-ce pas, vous, les frelatés là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous êtes pire que les tribalistes en face. Vous êtes pire. Donc, là, ce soir, tu veux jouer un peu à la star. Je suis venu me voir, tu m'as demandé un comptable. Je t'ai présenté, même pas présenté, je t'ai dit que voilà le numéro de mon comptable, appelle. Parce que je croyais que tu voulais avancer. J'ai eu même pitié quand je pense à ça, j'ai mal au cœur. Je lui ai donné le numéro de mon comptable. Il me dit, ben, quand il me dit qu'il avait un comptable, il me dit, ah bravo, mais c'est quoi, t'as monté une boîte? Elle me dit non, c'est pour Facebook. Je me dis, mais Facebook, comment? Elle me dit, elle veut faire les déclarations de quoi, quoi, quoi. C'est là où j'ai compris qu'elle ne bossait pas. C'est là où j'ai compris que, en fait, Facebook paye et elle veut faire les démarches administratives, il fallait prouver, etc. Elle lui fait des documents un peu antidatés. Mon comptable fait un blanc. Il n'est pas allé forer. Et le comptable est là, j'étais trop loin. Cette fille, elle m'a bloqué. Elle veut lancer la fatwa. Gangoum, moi. Moi, j'ai évité depuis. Moi, t'évitais depuis. Mais là, moi, pour qu'un Américain éteigne alors que c'est facile. Hein? Pour que nous, on t'éteigne. Pour que nous, on t'éteigne. C'est facile. Je dis beaucoup de monde t'éteigne car c'est vite fait. Donc, ce que tu fais, les Ivoiriens là, ne cherchez pas. Hein, je te jure, c'est que tu as commencé un truc que tu vas pas finir. Tu connais le peuple américain. Tu es malade. Tu connais l'histoire du peuple américain. Tu connais. Je t'ai géré. Écris pas. Moi.
Moi, je te considère comme une tribaliste. Et quand tu te considères comme une tribaliste, ma mitraillette ne se décharge pas. Ma mitraillette ne se décharge pas. Il y a toujours des munitions. Non, mais attends, c'est incroyable. Mais on est en train de construire un truc. Moi, j'ai dit, ouais, ok, ça prend forme. Tu viens de dénigrer le travail qu'on est en train de faire. Qu'on ne t'a pas soutenu. Tu vas lire. Tu vas lire. Camélia, je sais pas, elle est venue dans le groupe une fois, elle s'est plainte que je ne parlais pas de sa musique. J'ai demandé qu'on me sorte la vidéo au mois de mai 2022. On a sorti la vidéo. Même j'ai demandé pardon, elle n'a jamais fait. La famille. Préparons le live pour Oshiga. Préparons le live pour Oshiga. Vous savez, hein, moi je protège les miens. Moi à un moment donné, quand ça sert à rien, ça sert à rien, je dégage. Quand ça ne sert à rien, dégage. Préparons le live, soyez prêts. Donc, il y aura les témoignages. On va mettre le WhatsApp. On va mettre trois téléphones d'appel. C'est que faire les Ivoiriens. Quand une pêche comme ça, tu vas te mettre dans le boycott Gakane. Mais j'ai pas compris cette folle putain merde. Tu t'es allié avec les qui là? T'as vu un babéliqué dans la fête du boycott de Gakane. Tu as vu un Bamileke dans les affaires de boycott de la CAN. Anecdote. Et pas prendre la page d'Amazon. Il vient dans le groupe se plaindre que oh, on est en train de la faire à l'envers et nous on la soutient pas. On lui a dit que il n'était pas envoyé aller provoquer les voix, demander le soutien. N'était pas demandé d'aller provoquer les voix. Vous venez me demander que nous on vient. On ne tombe pas les moutons. Vous l'avez dit ça. Évidemment. Exactement. Orson va en parler de ce cas. On va en parler. Oui. Soit ancestor, on va en parler. Je pense que Flore est pour quelque chose. Flore en est pour quelque chose. Ici, on veut construire une communauté forte. Les têtes de liste bamiléké en diaspora doivent faire attention, sinon, elles vont nous trouver sur leur chemin. Moi, je vous dis ça. Voilà quand Pikiro est sorti. Et qui est sorti pour parler? Il a pointé les Bamiléké qui est venu voir aller. Oh, si on réagissait ensemble, le cas de vous demander pardon. Si on sortait en masse, c'est aussi ça la solidarité. Elle a osé nous dénigrer, Bams. Allez. Si
lui montrer qu'il est bafant, non? Peut-être est bafant dans sa tête. Fait-il. Encore chaud. Mon cœur est chaud, la famille. Préparez-vous, je vais annoncer le live. Je sais que vous êtes en macabre. On va gérer ça sur ici, ici. On va gérer ça. On va travailler le live ici. Hein? Et ça se retire là-bas. Elle ne s'en sortira pas. Moi, ma communauté, je fais attention parce que si on me met à dos, je suis mort. Pas parce que je n'aurai pas d'argent, non, je gagne ma vie. Mais sauf que le message que j'ai envie de porter, j'ai l'obligation de m'incliner parfois et de vous respecter. Oui, j'ai l'obligation. Parfois, je serre les fesses quand ça va pas, j'ai pas sur moi. Mais là, avec Oshila, si on ne fait pas ça, la famille, il y en aura encore un autre Oshila. On est en train de l'utiliser. On est en train de l'utiliser. Ah oui. Ah oui. Attention. Et là, les Bamlékés frelatés vont la suivre. Attention. Attention. Je vous dis ça. Ce qui se passe, c'est organisé. C'est organisé. Et là, maintenant, quand elle parle mal, elle vous a dit dans son live, vous mettez les commentaires, ça fait monter l'algorithme de Facebook et elle gagne. Et gagne de l'argent. Donc, on va tuer ces pages. On va niquer ces pages. C'est ça. Non, je comptais pas faire de live ce soir pour parler de ça. Voyez à quel point nous sommes choqués. Voyez à quel point. Moi, je comptais rentrer ce soir, continuer à travailler chez moi. Voilà mon ordi. Voilà mon ordi, je l'ai pas ouvert. Le deuxième, il est là. Je l'ai pas ouvert. Je suis rentré prendre un thé. Le temps de dire, ok, je regarde vite fait. La famille, on met ça dimanche à quelle heure? Dimanche, c'est bon, non? On programme le live dimanche. Dimanche, 17h, c'est bon ou pas? Dimanche 17h. Camélia, il faut demander à Jimon de m'appeler, hein, qu'il m'envoie son logo. Tu dis à Jimon qu'il m'envoie son logo. On met ça dimanche à. Non. Programmons ça dimanche, dis donc. Bon, programmons ça. D'accord. On va envoyer le lien. Mais les stratégies, s'il y a des idées. La personne qui a son live m'envoie ça pour le décryptage dimanche. Ouais.
Oh, Brigitte, Nadiane, condoléances, condoléances. Toute la famille Bamibawa s'est joint à moi de tout cœur pour partager ta douleur, Brigitte. Je suis vraiment désolé. Ça me fend le cœur. Perdre maman, c'est très compliqué. Moi, j'en ai perdu la mienne. Je ne vis qu'avec des souvenirs du passé, quoi. Je ne vis qu'avec des souvenirs du passé. Mettons de la compassion pour notre sœur qui a perdu sa maman, c'est douloureux. C'est une partie de toi qui s'en est allée, hein. Et puis, je suis triste. On te soutient. Je vais porter le deuil dans la grande famille Bamipawa. Même si tu n'es pas avec nous, bon, tu vas ressentir de là où tu es la compassion des membres, des frères du village, etc. Sois forte et tiens bon. C'est une nouvelle épreuve de la vie qui est devant toi. C'est un vide qui se crée, mais pense au bien qu'elle t'a fait, aux choses, les traces qu'elle a laissées pour toi, ton enfance, ton adolescence, tout ce qu'elle t'a vraiment apporté. Et tu vas réincarner cela, tu vois, et vivre en toi avec tout ce qu'elle t'a apporté. Oui, mais une enveloppe, mais si elle n'est pas dans le mouvement, comment tu veux qu'on fasse une enveloppe? Si tu veux l'aider, tu l'aides. Hein? Mais moi, je veux pas faire les trucs. Bon, je commence à prendre sur moi. Le mouvement, il est assez réglementé. C'était bien beau de faire ça, mais. Mais. Voilà, je sais pas. Bon. La famille. Je prépare le maïs dimanche. Soyez nombreux et nombreuses à partir de 17 h. Une réponse à la hauteur de la bêtise de cette dame. Merci encore à vous. Merci encore, Ancestor Bams, Camélia Pérez. Dimanche, on est ensemble. Océane Orsan, dimanche, on est ensemble. Zui, dimanche, on est ensemble. On va faire péter ça. On va tuer cette mouquette. On ne teste pas, peuple. Tu sors de ta communauté, tu veux le tester. Non, pas besoin d'écouter. Je n'ai pas de temps à passer 4 heures pour écouter des insalubrités, quoi. Non, j'ai pas besoin. Non, déjà, quelques mots, quelques phrases. Je connais le personnage. Ok, je connais le personnage. Pas besoin d'écouter. Donc sur ce, paix ancestrale sur vous. Vivez Bamipawa. Soyez vous-même. Croyez à la Bamitude, ça donne de l'énergie. Croyez à la Bamitude, ça donne du succès. On ne va jamais venir pleurer comme un Piccolo. Un Piccolo qui vient chercher la solidarité. Dommage. Réorganisez-vous. Laissez le tribalisme de côté. Essayez de copier le bon sur nous. Et vous allez évoluer. Évoluer, évoluer, évoluer. Big up.